Hello les amis! Coucou les amis! On espère que vous allez bien, exactement. Voilà, on se prépare, les filles sont prêtes. Toutes belles. Pour voir notre copine. Ouais, c'est, on va faire une petite sortie les amis dans un endroit sympa qui est près de Marrakech. Ça s'appelle Agafay. C'est le désert qui est près de Marrakech. C'est pas le désert avec le sable, le vrai désert. C'est pas le Sahara. Oui, mais ça ressemble, c'est la même chose, juste il est bizarre, il est différent. C'est aride, vous allez voir. Il y a des endroits sympas là-bas, comme des camps. Et on va passer la fin de journée là-bas, il y a comme une piscine. Le soir, on peut manger, il y a les lumières, tout ça. Normalement, ouais, prends les maillots. Je crois qu'ils peuvent se baigner, il y a une piscine. Il faut prendre les maillots. Et voilà, on y va avec Mehdi, celui que vous avez vu dans le vlog... Le papa de Lia qui a une agence immobilière que vous avez vu. Voilà, Mehdi Chirac Agency. Voilà, et voilà, on y va avec Mehdi, Lia, sa fille, et Samira, la maman. Voilà, donc on part là-bas. Passez la fin de journée, là on est samedi les amis. Vous, quand vous verrez ça, ça sera soit lundi, soit mercredi. Je sais pas exactement. Aujourd'hui on est samedi. Inch'Allah, on va passer un bon moment et on va découvrir ça. Ça fait un moment que mon ami nous parle de ça. On va voir si c'est bien ou pas. J'en suis sûr, ça va être trop bien. Ouais, je pense. Ouais, les amis, on se rapproche. Ça commence à devenir désertique. Étroit aussi. Regardez ça. Route. Ouais, la route. La route, elle est pas incroyable. Regardez ça. Il faut un 4x4 pour venir ici. Et ouais, c'est vraiment... si on regarde là, hop, c'est vraiment désertique. Et par contre, de l'autre côté, derrière nous, c'est arboré, il y a de la végétation. C'est incroyable, ce changement de décor comme ça. Ouais. Quand même, il y a un petit peu de végétation. Il y a un petit peu de plantes, d'herbe, vite fait, mais là, je vois déjà là-bas des chameaux. Ouais, regarde là-bas, là, sur la droite. Et il y a les quads aussi, on peut faire des excursions en quad, en chameau, tout ça, dans ces coins-là. Il y a vachement d'excursions pour les touristes ici. Vous allez voir les chameaux, les quads, il y a les buggy aussi, tout ça. Ils sont là. Ils sont là. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Ils sont là, les amis, sur la droite. Là, et là, il y a les buggy, les quads. Il y a aussi l'artisanat que vous pouvez acheter, l'artisanat marocain. Il y a le papa de la Aya Family qui fait des excursions comme ça avec les buggy et les quads. Un jour, Inch'Allah, on part. Un jour, Inch'Allah, on ira et comme ça, on lui fera une petite pub aussi. Inch'Allah. Franchement, ouais, ils sont gentils. Bientôt, on va les revoir, Inch'Allah. Il y en a des quads là-bas. Ah, ouais, ils font des quads. Il y a un chameau. Ouais. Là-bas, il y a des chameaux. Ouais, il y a des chameaux. Ouais, regarde, ils font des quads. Des chameaux. Là. C'est des enfants, ça. Ouais, il y en a peut-être des petits quads. Hein. Ah, là, il y a les quads, il y a les buggy. Et là, il y a même des chevaux là-bas, avec les chameaux là, et les chevaux. Non, franchement, c'est bien. Si vous venez à Marrakech, c'est un truc à faire ici. Bon, les amis, on va dans le camp de la Bohème. Alors, c'est connu sur les réseaux. Il y a l'entrée là-bas. J'ai déjà vu sur les réseaux, ça a l'air vraiment joli. Ah, il y a un autre camp aussi là-bas. Heureusement qu'on n'a pas pris la voiture grise. Ouais, Masma, elle voulait qu'on prenne l'autre voiture. J'ai dit non, on va prendre celle-là. Je savais qu'ici, il allait y avoir beaucoup de poussière. De sable, tout ça. Je me suis dit non, on va prendre celle-là, l'ancienne. Enfin, l'ancienne, elle n'est pas ancienne, mais celle-ci. Regardez l'entrée. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. Allez, Inch'Allah, on passe un bon moment. Bon, nous voilà arrivés, les amis. Voilà l'entrée. Franchement, c'est joli, hein. Voilà, il y a Mehdi et sa famille qui sont là.
vous connaissez mon endroit préféré, la Bohème. L'endroit préféré de Mehdi. Depuis que je suis arrivé, il m'a dit faut que je t'emmène là-bas. C'est encore plus beau le soir. Et franchement, on mange très très bien. Inch'Allah, on va voir ça. Hein. Voilà, en tout cas, l'entrée, tout ça, c'est sympa. Hein. On se fait une pétanque, il y a le terrain de pétanque. Ah, il y a le terrain de pétanque. Ah, c'est pas, on m'a dit que t'étais bon. Un Marseillais face à un Parisien, si je perds. On filme, sans ma vie, on filme. Donc là, ça, c'est des chambres, je vois, avec des terrasses, là-haut. Qu'on peut louer à la nuitée. Ouais, que tu peux louer à la nuitée. Donc si vous venez de ma part et de la tienne aussi, parce que je vais te faire présenter les patrons. Axel, Yacine, gros big up, les amis. Vous serez très bien reçus. Et il y a d'autres chambres là-bas, c'est des yourtes. C'est des yourtes comme un peu les igloos là. Donc il y a deux styles de chambres. Et sur celle-là, il y a des terrasses là-haut. Ouais, je vois. Et tu peux te reposer le soir et tout. C'est chill. Mais tu vois, c'est beau la journée. Mais le soir, avec tous les lumières. Avec les lumières. Je te jure, c'est un truc de ouf. Parce que dans toutes les lampes là, dans toutes les petites lampes comme celle-ci là, il y a les lumières. C'est ça, exactement. Dans tout ça, ils allument tout le soir, ils font des feux, tu vois. Ouais. Tu vois, ils font des feux avec le bois. Il y a des, en fait, il y a de partout, ils ont des jeux de lumière. Ah ouais, il y a un spectacle. Regardez là, par exemple, là, il y a des feux. Ouais, ils allument ça le soir, tu vois. Et regardez les jarres de grosses balançoires, tout ça, là. Ouais. Ça, elle est de dos, non plus de dos. Ouais. Ils ont une ferme pédagogique. Hop. Ils ont leurs propres animaux, etc. Ils ont des quads, vous pouvez faire des randonnées. Franchement, c'est top. Un de mes endroits préférés à Marrakech. Comme je dis souvent, j'aime bien venir ici. Avec mon épouse qui est là. Voilà, qui est là, Madame Chirac. Voilà, avec mon épouse. Des fois, j'aime bien venir décompresser, couper un peu du téléphone. C'est calme, on n'entend rien. Le travail, je suis très souvent au téléphone, très souvent en visite par rapport à l'agence, très souvent plein de choses. Des fois, j'ai besoin de couper, tu vois, un peu comme toi, je suppose. En fait, on est dans une bulle ici. C'est tellement agréable que. C'est tellement différent de tout ce qu'on peut faire ailleurs. Et vous allez voir le soir, après, lorsqu'il va mettre les buffets. Les tagines, etc., le spectacle de feu, le coucher de soleil, c'est une autre ambiance. C'est vrai que la journée, c'est bien, mais le soir, je trouve... Tu sais, juste avant le coucher du soleil, je trouve c'est magnifique. Et là, tu peux louer un quad, etc., et tu pars dans les dunes, tu bois ça, un thé chez l'habitant. C'est exceptionnel. C'est top. Alors, il y en a plein des camps sur Agafay. Il y en a plein. Il doit y en avoir, je dis une bêtise, une quinzaine. En fait, c'est une zone Agafay, c'est le désert, et ils ont fait tout ça, des concepts de camps et tout. Mais moi, mon préféré pour l'accueil, etc., c'est celui-ci. C'est la Bohème. C'est bien. Hein. De toute façon, on sera amené à l'avenir à en tester d'autres, on verra. Oui. Et à revenir ici aussi, Marrakech, la Bohème, c'est vraiment, vraiment sympa. En tout cas, l'entrée, l'arrivée, quand on arrive, c'est vraiment très, très, très joli. Bon, les filles, elles sont déjà parties. Ouais. Elles sont en train de jouer. Regardez, il y a les animaux. Elles sont devant les animaux, là. Ouais. Il y a les chevaux. On peut faire des tours en chevaux et tout aussi. Oui, tu peux voir avec lui. Il y a les chameaux d'habitude. Les chameaux, ils sont là. Tu peux faire un tour en chameau. Et après, là-bas, ils ont leurs propres animaux que tu retrouves le lendemain dans le tagine. Non, tu coupes ça. Non, rigole. Non, tu coupes, on va voir des commentaires. Mais au moins, c'est bio. Ouais. Donc, ils ont des animaux qu'on peut retrouver le lendemain dans le tagine. Voilà. Alors voilà. Tire où tu pointes. Bah moi un je Parisien, un petit peu les deux. Ouais. Eh ben regarde, Paris, VS comment on tire une vas-y, boule. Vas-y, dis-moi, montre. Comme ça. Oh, voilà, ben, c'est tu bon. Coupes, hein. On a gagné d'avance, c'est bon. Franchement, c'est joli, c'est sympa. Donc voilà, les filles sont déjà avec les animaux là-bas. Le soir, Mehdi vient de me dire qu'ils allument le feu au milieu des pierres. Et à mon avis, on mange là et dans ces endroits-là, là. Genre tente berbère, tout ça. Ah, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. C'est un endroit super sympa en tout cas. Doucement. Regardez les amis, le patron, vu que Mehdi le connaît, il a dit bon, allez, va laver le hamal. Et les filles après vont faire un tour de hamal. T'es voilà, comme. Et voilà. Et là, on va faire une petite vidéo pour Mehdi, une petite FAQ. Les 10 questions que vous me posez le plus souvent pour un investissement immobilier locatif au Maroc. Les comptes en dirhams convertibles, non convertibles. Comment je fais pour toucher mes loyers? Quelle est la fiscalité? On se retrouve bientôt sur ma chaîne. Sur la chaîne de Mehdi. Voilà. Je vous la mets en bas. Ah, cam. Il est encore mouillé, c'est pas grave. Franchement, c'est pas la belle vie, ça? Hein, franchement, ils ont pas la belle vie, celle-là? Regardez les amis, les filles, elles jouent depuis tout à l'heure, elles sont bien là. Oui.
Mais ça touche par terre. Mais elles font. Elles font les folles. La claquette de cam-cam. Hop, la claquette de cam-cam qui était là. Ouais. Ça touche un peu par terre. C'est hyper fort. Non, 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 non. Tout à l'heure, ça a tourné. Voilà. Hop. Ouais. Comme les manèges. C'est trop bien. 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 Trop bien. Ça tourne, ça tourne. Oui. C'est bien les filles, hein? Ouais. Oui. Ouais. Depuis tout à l'heure, les filles elles jouent avec les animaux ici. Franchement, elles sont bien. Trop. Ouais. Donc, j'ai pas vu les animaux encore. Là, je vais aller les voir. Il y a des chèvres. Des chevaux. Oui. Et c'est tout. Ouais, et des fois, il y a des chameaux, des mais là, il y en a pas. Il y a des coqs. Ah, il y a des coqs aussi. Des poules. Ah, c'est bien. Regardez ça. Regardez. Allez, on va voir les animaux pour voir. Ah, c'est vraiment le désert. Hein. Si on regarde au fond là-bas, il n'y a rien du tout. Ah ouais, c'est un petit peu la ferme. Il y a les poules, les moutons, un cheval. Ah ouais, le cheval il reste là. Ah mais il doit être attaché. Il est attaché le cheval? Non, parce... il n'est pas attaché. Et il sort pas? Non, ah, il a... parce que c'est non, ouvert, il sort les amis. Pas. Ah, il sort pas. Non, il reste ici. Et aussi, tu peux, on peut décrocher le mâle. Non, laisse-le, le pauvre. Si on va faire une balade avec lui. Ah, si on va faire une balade avec lui. Oui, on peut lui décrocher sans personne. C'est vrai? Oui. Je peux le faire? Non, laisse-le. S'il te plaît, papa. Non, laisse-le. Mais s'il te plaît. Laisse-le, après il va s'enfuir, on va dire c'est cam-cam, c'est sa faute. Pas du tout, je vais prendre... Hé, la poule! La poule, elle est part. Ah, laisse-la. Laisse-la. Ah, il y a une petite chèvre aussi là. Tout à l'heure, Masmas, elle en a pris une. Ah, mais c'est celle-là là-bas. Elle l'a pris, elle l'avait dans les bras, elle l'a portée. Allez, madame la poule. Cam-cam qui est arrivé en courant, elle a dit les chameaux. Regardez ça. Elle est contente, elle tire. C'est ça qu'elle aime, elle aime. Elle aime pas monter dessus, elle aime les tirer comme ça là. Comme si elle les promenait. Ah, ils sont beaux ceux-là, ils sont gros. Hein. 4 comme ça là. Où est-ce qu'elle les amène là? Top, c'est top. Là. Moi je te fais le. Le truc, moi je fais le. Où est-ce que tu les amènes, cam-cam? Tu sais pas? Hello! Et ce soir-là, le grand feu, ça va être vraiment sympa. Ça va vraiment être pas mal. Et si vous voyez, tout au fond, là-bas, là, sur la crête, il y en a qui sont en train de faire du quad. Là, c'est vraiment un bel endroit. Il y en a un avec une caméra, il va faire un vidéoclip aussi. Tu veux pas? Tu veux pas monter dessus? T'as peur? Non, ne le tire pas, laisse-le, le pauvre. Comment on fait pour le remonter? Hein? Comment on fait pour le remonter? Non, laisse-le, là, il se repose. Camilla, elle lâche pas l'affaire avec les chameaux. Cam-cam. Oui. Ah, ils ont pas fini, les pauvres. Ils vont faire le tour du camp 50 fois avec Cam-cam. Regardez les femmes, les amis, elles se sont mises là, elles sont en train de discuter. Ouais, on et est nous, bien. Nous, on était là-bas en train de discuter. Je rencontrais. Ça sent très très bon. Il y a la cuisine juste à côté là. La cuisine juste à côté. Mais dit tout à l'heure, il m'a montré la cuisine dedans. Ils sont en train de préparer les plats et ça sent bon. Ouais. Franchement. Ah, et là, il y a le DJ qui met la musique là. Aïcha. Par contre, il faut réserver avant de venir. Oui. Il faut réserver avant de venir. Et si vous n'avez pas réservé, vous ne pouvez pas rentrer. Ah ouais, je savais pas, d'accord. Ouais, c'est bien de le dire. Ouais. Ah, parce que je parce savais qu'ils pas. Ont la cuisine, la quantité par rapport aux gens qu'ils ont réservé. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup chaque fois qu'on vient dans un endroit qui nous dit ouais, vous pouvez me partager. Par exemple, là où on est allé passer la journée, la Bled ou la Di. Ah ouais. Tout ça, hier, il y en a encore qui m'ont demandé tout ça. Et voilà, on vous mettra tout en description, les amis. Inch'Allah. Bon, les amis, si vous allez voir, ça fait un moment qu'on ne voit plus les filles, on ne les entend plus. Regardez, elles sont tout au fond là-bas. Là. Je ne sais pas si vous les voyez, si on voit Camille en rose, tout au fond là-bas. Là, c'est l'endroit où il y a les animaux.
et elles sont tout au fond là-bas. Alors je sais pas qu'est-ce qu'elles sont en train de fabriquer, mais on va aller voir ça. Bon, les filles, elles sont en train de faire une aventure. Il y a Lia qui est derrière moi, parce que sa maman, elle veut pas trop que Lia soit le papa, ça le dérange pas à midi. Mais maman, elle aime pas trop que sa fille soit sur les réseaux sociaux, donc on respecte et on fait attention à ce qu'elle y soit pas. Et qu'est-ce que vous faites là? Et vous avez pris ça, vous blessez pas, ça c'est un truc à me faire. Non, t'inquiète, hey, des vraies aventurières, ouais. On est sales parce qu'on est des vraies aventurières. C'est ça ce que je veux, moi. Sans ta chausson. Écoutez-moi là, celle-là, ça y est, tu t'y cru, toi. T'as quoi? C'est quoi ton aventure là? T'as mis trois cailloux, un bâton, et tu crois que c'est ça une aventure? Non, mais il faut que ça tienne. Et fais attention, ça c'est en fer. Prenez un bâton, un bambou là-bas. C'est mieux que les trucs en fer. Lâche ça, Cam-Cam. Pas avec un bâton en fer, d'accord? Mais c'est pas en fer ce truc. Celui-là il est en fer. Lâche, je t'ai dit. Voilà, regardez les amis. Vous touchez pas les trucs en fer, d'accord? Et vous allez pas là-bas. Camille, Massilia. Oui. Regarde, ah c'est des traces de quoi ça? C'est des traces de chameau. Wow. De regardez, les grosses pattes. Des traces de hyènes. On m'a dit qu'il y avait comme des... Pas des hyènes, mais des... Je sais plus ce qu'on m'a dit qu'il y avait. Vous allez pas là-bas les filles, hein. Là, dans les trucs comme ferraille et tout non, ça là. D'accord, on ma chérie. Va pas y aller. D'accord. Mais là, allez. Mais j'ai lavé les mains. Bon, je vais les laisser jouer. Au début, elles se sont dit, allez, ouais, il arrive, il vient pour nous dire d'arrêter pour pas que elle joue ici et qu'elle revienne là-bas. Mais je les laisse jouer. Nous aussi, quand on était petits, on aimait ce genre de truc là, faire des bêtises comme ça avec les bâtons, avec des trucs comme ça. Voilà, elle passe le temps. Si vous voyez là, d'ici, là, tout ça là, c'est le camp où on est, le bel à Bohème. Et regardez ça. Apparemment, quand le soleil se couche, c'est super beau. Là, il y a un petit peu les nuages, mais au fond, il y a les montagnes de l'Atlas aussi. Là-haut, sur celle-là, là, on voit de la neige un petit peu, encore. Et apparemment, quand le soleil se couche, c'est super beau. Et il va y avoir un spectacle ce soir, tout ça. Ça va être vraiment pas mal du tout. Bon, les amis, il y a le vent qui se lève un petit peu. Il y a une chicha sur notre table, mais on ne fume pas la chicha. Non, ils font une décoration sur toutes les tables. Ah, ils font une décoration sur toutes les tables. Hein, ouais. Non, mais je tiens à le préciser quand même, parce que... Ah non. À la Easter. Rien du tout.
Bon les amis, on vient de. On a passé une très 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 bonne soirée. Magique, magnifique. Une nuit, c'est pas une nuit, c'est une soirée. Soirée, ouais. Les amis, regardez quelle heure c'est. C'est. Attends, ma montre s'est arrêtée. Ah ouais, ma montre s'est arrêtée. Parce que c'est quelle heure là? Je sais pas. Ton portable. Je crois que c'est 22h. Je crois que c'est ouais, 21h et quelques ou 22h. 22h. 22h, donc c'est pas si tard que ça. Non, mais c'est la lumière c'est éteinte. Voilà, j'en connais deux. Qui vont être. Qui se sont bien amusés. J'ai bien dansé, j'ai fait la folle. Ah, voilà, c'est trop beau. Il a dit j'ai fait la folle. T'as bien dansé, t'as fait la folle. Ah ouais, je fais la folle. Ah ben ouais, t'as bien fait la folle. Hein. T'as bien fait la folle. Ouais, bon, on n'y voit rien, les amis. Oh. Franchement, si vous voulez passer. Une bonne soirée. Un truc inoubliable, ici. Ouais. Ouais. La bohème à Gafay. Franchement, ouais, on a fait plein de stories aussi. Que... Avec la musique, parce que là, on peut pas mettre la musique. Même le cadre. Tout le ça. Cadre, le paysage, il était magnifique. Ouais, franchement. Allez voir sur Instagram. Il y a la musique. Bon, mais non, du moment, maintenant que la vidéo sera sortie, les stories elles seront parties. Mais vraiment très très bel endroit, ouais. Le patron, c'est gentil. Un ami à Mehdi, ouais. Franchement très gentil. Voilà. Ouais, voilà, magnifique. Magnifique, toujours il vient nous voir, tout va bien, il a ouais. Le sourire, il rigole. Les, ouais. Il nous a ramené les merguez, ils nous ont dit vous allez voir goûter, c'est les meilleurs. Ouais. Non, non, et franchement, le repas, il n'y a pas un truc qui est moyen, tout est excellent. Mangé. Ah ouais, excellent. Les filles ont bien mangé. Ouais, les filles ont bien mangé. Moi, et tout. C'est trop bon les saucisses. Et le couscous, comme il a mangé deux assiettes de couscous. Tagine, pruneau, la viande avec le citron confit, magnifique, ouais. Incroyable. Et maman, je t'ai pas laissé incroyable. Le couscous. Ouais. Bon, enfin voilà, bon allez, on rentre les amis. On rentre à la maison.